Je crois que c'est lorsqu'ils sont complètement immergés dans la musique de Bach qu'interprètes et auditeurs peuvent aller à la rencontre du compositeur, partageant ensemble l'exploration de nouveaux territoires musicaux et la recherche d'une nouvelle expérience esthétique. Je pense que c'est confronté à l'œuvre dans son intégralité et mis face au contraste que les différentes pièces font apparaître en s'illuminant les unes les autres, qu'interprètes et auditeurs peuvent découvrir et saisir les multiples facettes du génie de Bach. Son sens unique de la forme, sa façon de construire des structures d'une extrême complexité et d'explorer de nouvelles sonorités, la liberté et la profondeur de son imagination, tout cela dans un cadre de composition prédéfini. Je joue sur un magnifique violon Niccolo Amati, daté de 1646. Amati était pour ainsi dire le papa de la lutherie à Crémone. C'est lui qui a formé entre autres Stradivarius. Ces instruments, qui se sont adaptés à notre époque moderne, sont aujourd'hui rares et recherchés. Il est mort en 1684 et Bach est né en 1685. C'est donc absolument formidable de se dire que les œuvres de Bach ont été créées sur ces violons. En tant qu'interprète, jouer sur un tel instrument permet d'aborder la question d'interprétation historique d'une manière différente. En effet, cela relie à une certaine filiation, donnant le devoir d'apprendre et de connaître les modes de jeu de l'époque, mais cela libère aussi, l'instrument ayant évolué au fil du temps, tout en restant lui-même. Cela en fait donc un formidable partenaire d'expérimentation, de jeu et de recherche. Je pense que le piano moderne est un merveilleux média pour jouer la musique de Bach. Les instruments évoluent avec le temps. Les clavecins d'aujourd'hui ne sont pas ceux du temps de Bach, et d'ailleurs même à son époque, il y avait de grandes différences entre les instruments selon leur provenance géographique ou leur année de production. Bach s'est intéressé toute sa vie à découvrir de nouvelles sonorités. Et il était fasciné par les derniers développements de la production des instruments à clavier. Il connaissait même le piano. Pour moi, la musique de Bach est une musique qui peut traverser le temps, les changements esthétiques et les changements technologiques. Et l'évolution des instruments n'est pas une limitation à sa réception, mais au contraire permet d'en explorer de nouvelles facettes.